La solidarité vient en aide aux plus démunis. Si la crise sanitaire a des conséquences économiques, évidemment, elle met aussi en lumière des difficultés préexistantes. On atteste ces familles dans le besoin qui viennent de bénéficier d'une aide alimentaire. La fondation Anna Veil est à l'origine de ce geste d'entraide. Huile, pâtes, couches pour bébé, eau de Javel, carton de poulet, des produits de base d'une valeur de 14 000 francs qui aident quand le travail et l'argent viennent à manquer. Ce matin, à la mairie de Pirey, une cinquantaine de familles ont récupéré leurs colis. Parmi elles, il y a Jean-Louis Ariouehou. Il vit à Pirey. Cet ancien légionnaire de 57 ans fait preuve de dextérité chaque jour pour affronter la crise avec un optimisme qui laisse admiratif. Rencontre signée David Kouanon et Patita Savia. Dans les mains de Jean-Louis, une précieuse cargaison. Quelques dons alimentaires. De quoi améliorer l'ordinaire. Mais ce matin, il se fait raccompagner par la navette municipale et pour cause. J'en ai une voiture avant le Covid. J'ai du travail, mais il n'y a plus en ce moment. Mais c'est en panne. Il n'y a pas de sous pour réparer. Des sous, il n'en avait déjà pas beaucoup, Jean-Louis. Mais avec ce satané virus, il a appris à faire avec encore moins. Dans les quelques mètres carrés qu'il partage avec sa femme et son fils, s'entassent des machines à laver qu'il répare pour quelques billets. 5 000 francs par-ci, 10 000 par-là. Pour le moment, je vis avec ces petits travails-là. Pour réparer les machines à laver, les séchoirs, des fois les micro-ondes, tout ça. Seul revenu fixe de la famille, l'allocation handicapée de leur fils. Tout juste de quoi payer le loyer et les factures. Avant, il était patenté et travaillait sur des chantiers. Il n'a plus de chantier et qui s'est tombé de cette maladie, c'est plus pire. On ne peut plus aller travailler chez eux, c'est les gens. Mais il faut attendre. J'entends, c'est un mot, les gens n'ont pas de travail, mais il faut chercher un moyen, c'est ça. Dans la pièce à côté, Carole, sa femme. Elle était réceptionniste dans un hôtel qui a fermé il y a quelques années. Elle est handicapée et ne travaille plus depuis longtemps, mais bénéficie de la solidarité du quartier. Il y a des amis ici, quand ils passent un temps de Naroteia, des fois ils nous demandent, tu veux pas du poisson? Il y a beaucoup de solidarité ici avec les voisins? Oui, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et mon mari, il est très bien avec eux. Il est très sympa avec eux. Pourtant, chez Jean-Louis et Carole, on ne se plaint pas. Le panier alimentaire de ce matin, il ne l'a pas demandé. Et il garde son indéfectible optimisme. Oui, pour moi, oui, ça a vraiment changé. Mais ça m'apprend aussi de bien, comment on dit, de bien vivre, de bien gérer ta vie au foyer, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait garder comme ça l'espoir? Mais la prière, tout le temps la prière. D'aider les gens, dans la main aux gens. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est avec cette foi chevillée au corps que Jean-Louis affronte les turpitudes. Depuis son passé dans la Légion étrangère, il en a vu d'autres pour ne pas se laisser abattre par un virus.